mission unité soins-disant c'est qu'accident que l'hôpital Victoria qui a fait un patient le système triage qui besoin de faire pour donner priorité à des gens qui ont eu un accident ou bien patient qui ont des conditions graves. Mais il paraît qu'il même après plusieurs appels pour dire qu'on a le voir docteur de la clinique de ce district et les unités soins-disant et qu'accident pour un cas isant, des gens qui ont encore eu une casualité avec une simple maladie. L'agence service la santé puis alors prend des mesures plus strictes pour empêcher mon abus de ce service pour assurer que sa unité qui servi pour une vraie cas emergency. Commencement lundi, nous pas prenons docteur pour faire consultation dans accident and emergency 8h jusqu'à 4h. À cause même 8h jusqu'à 4h, nous voyons une situation côté quantité de monde qui vient direct. Ici, quand accident and emergency, ça qui nous appelle casualty, il y a qui beaucoup, dis-moi, il y a appelle casualty, quand l'hôpital, pour vous venir voir un docteur. Ça, il pas supposé les cas. Accident and emergency, supposé qu'il est réservé spécifiquement pour accident and emergencies. En cause, en ce moment, nous aussi, on a un shortage docteur, l'hôpital. Et dans accident and emergency, là, nous avons nous 4 docteurs. Et les autres préfèrent shift. Si vous avez besoin entre 8h, entre 4h à soir jusqu'à 8h, en délai, il y en a un coût de 60 à 110 personnes. Côte emergency. Ça n'est pas capable de tout emergency. Nous nous voyons pour dire qu'il y a des gens qui sont malades de 3 jours, il y a des gens qui gagnent la fièvre, des maladies qui ne pas considérées comme emergency, et que vous venez là, juste pour vous parler, espérer dans votre clinique. Madame Bell lui dit pendant la zone, c'est Emergency Response Unit qui est responsable de la casualty. Et les autres pour occuper seulement le cas isant qui est arrivé pendant la zone. Après 4 ans, pour un docteur qui a eu un accident et qui a eu 10 ans, mais encore là, il peut voir seulement patient qui a eu isant. Mais quoi qu'il considère comme un cas isant? Dans l'emergency, il y en a plusieurs catégories. Il y en a un accident d'auto, un accident de trafic, des gens qui sont tombés loin au terre. OK, il y en a des monde qui sorti maman qui pesoué casse les pieds, casse les bras, etc. Autres gars review, autres gars voir et autres gars voir pas un docteur spécialisé. OK, ça a un cas assez fréquent. Ça ben comme pareil nous dit ben trauma cases. Après non ben emergencies médicales. Quand il y a la liste qui nous connaît, pareil, pour donner l'exemple, l'attaque léquerre, l'attaque cerveau, qui appelle stroke. Et ça fait qu'il y a un cas, quand il y a besoin d'attention immédiate. L'agence service de la santé dit régionalisation de centre la santé ou bien clinique, pas de vrai de gagner service comme une raison pour dire qu'il y a une route de soins médicales, quand il y a un accident et que soins d'isance, l'hôpital Victoria.